L'invitation de la France à Francfort en 2017, d'abord c'est une grande opportunité puisque ça fait près de 15 ans je crois que la France n'avait pas été invitée, donc c'est une chance pour nous. Considérons que si la France est invitée, avec elle c'est toute la langue française qui est invitée, c'est-à-dire la langue française dans tous ses états, la langue française qui dépasse vraiment l'hexagone puisqu'elle est parlée dans le monde entier, et donc c'est cette langue francophone parler à travers des cultures différentes, des pays différents, qui va être invité à Francfort. Voilà. On va inviter des écrivains des grandes signatures étrangères qui vont manifester de l'importance de la France, de la langue française dans leur propre histoire et dans leur propre trajet, dans leur propre existence. Voilà. Sur la partie strictement numérique, on va avoir envie de travailler à partir d'une logique de plateau connecté, un plateau média dans lequel on va vouloir créer surtout un espace de vie, d'intervention, d'effervescence dans le débat, dans les rencontres, et puis d'amener aussi un certain nombre de jeunes créateurs et entrepreneurs français dans le domaine du numérique qui vont venir, eux, présenter les grandes innovations que peut porter la créativité française dans le domaine du livre, de l'édition et plus généralement de la relation au livre. Et de la transformation des usages. On va mettre en valeur surtout la langue française comme territoire, l'hospitalité de la langue française, et inviter donc une délégation d'auteurs de tous les genres littéraires. L'idée, c'est que tout ce qui est traditionnellement ou même de manière novatrice représentant de la France et du domaine de la culture soit représenté dans ce pavillon. Donc ça va des arts culinaires à l'art, à la jeunesse, à la littérature. L'idée, c'est que sur cette foire, sur cet endroit très particulier que peut être un salon, les gens aient envie de s'y arrêter et d'y passer du temps.